Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo swatch and make-up de cette palette. Donc c'est la Forever Flawless Affinity de chez Révolution. C'est une que j'ai reçue par Missy Evelyse dans le swap Saint-Valentin qu'on a fait dernièrement. Donc bien sûr, si tu ne l'as pas vu, je te le remets juste ici. Et donc voilà, elle m'a offert pas mal de palettes. Et en déballant le swap, j'ai dit que je ferais des vidéos consacrées à ces palettes. Il y a déjà eu sur une première palette et un crash test plus complet des produits que j'avais reçus. À nouveau, je te remets la vidéo juste ici où j'avais testé la Lilac You A Lot de chez Colourpop. Donc voilà, que j'avais vraiment bien aimé. Et ici, ben, j'ai décidé de commencer avec la Affinity de Révolution. Je trouve la palette magnifique. Les couleurs, c'est tout moi. C'est du nude avec du rose et du brillant. Tout ce que j'aime. Alors j'étais obligée de tester les paillettes hein, qui sont juste ici parce qu'elles sont trop trop belles. Il y a un agent liant dedans, donc il n'y a pas besoin de colle. Donc voilà, vraiment top top top. Et donc sans plus attendre, je te laisse avec les swatchs. Donc que dire, j'adore. Bon, la qualité Révolution n'est plus à prouver. On sait tous que Révolution, c'est vraiment une super qualité. J'ai déjà des Forever Flawless. J'ai la Birds of Paradise. Je crois que c'est la seule que je n'ai jamais vraiment utilisée.
Et je devrais, parce que vraiment, je suis super contente de cette palette. Alors, je sais que c'est les palettes préférées d'Evelyse, elle en fait la collection. Donc voilà, si ça t'intéresse de voir ce que valent d'autres palettes, n'hésite pas à aller voir sa chaîne, elle en parle assez régulièrement. Elle avait fait un classement de ses palettes préférées, donc je te mettrai le lien en barre d'infos si tu veux aller voir. Et voilà, moi, quand celle-ci est sortie, donc c'est une des plus récentes. Je lui avais dit qu'elle me plaisait vraiment, enfin c'est vraiment mes couleurs, c'est ce que j'aime, du rose, du nude, voilà, du brillant, je l'ai déjà dit, je me répète. Mais j'aime trop. Alors il y a un duochrome ici et un autre ici qui sont magnifiques, j'ai hâte de les tester. Et voilà, c'est un petit coup de cœur, j'aime beaucoup. En plus le packaging est super beau. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire, vraiment. Merci Evelyse pour ce cadeau parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, sur les lèvres, j'ai testé un lip stain de chez. Non, un Tunalip Paint de chez Fenty Beauty. Donc, j'avais déjà un grand format. Je te l'avais présenté, celui-ci. Il est vendu avec un autre, un rouge. Je te l'avais présenté dans mon haul. Je te le mets juste ici si tu ne l'as pas vu. Mais alors, déjà que le grand est galère à appliquer, celui-ci est encore pire. Donc c'est très liquide, il faut bien essorer son pinceau avant, chose que je n'ai peut-être pas fait assez lors de la première tentative. J'ai pas fait de contour des lèvres non plus, j'aurais dû. Mais en fait, l'embout est tellement petit, je pense que tu vois, que quand je l'applique, je ne vois pas l'embout. Je vois que le capuchon. Donc en fait, je ne vois pas où j'applique. Donc voilà, ça c'est bof, hein. Peut-être à appliquer avec un pinceau pour les lèvres, je ne sais pas. En tout cas, faire un contour des lèvres, ça c'est sûr. Mais la couleur est super belle, ils tiennent super bien. Il est très très mat. Voilà, c'est un peu dommage pour l'embout comme ça. Et donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, swatch and make-up. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup la palette, je suis très contente de l'avoir. Les paillettes sont magnifiques, les roses sont magnifiques. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que tu auras compris que je la trouve magnifique et que je l'aime beaucoup. Et donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah!